Billy, j'essaie de filmer quelque chose, là. Voyez-vous, j'ai du sirop d'érable, si Billy veut bien se tasser. N'est-ce pas, mon beau bébé? D'habitude, quand je donne des bisous, elle se tasse. Fait que ouais, j'ai du bon sirop d'érable, puis je viens d'aller au IGA acheter des gaufres. Puis oui, ils sont rondes, ça a choqué Cyril, mais... Ouais, il y en a des carrés aussi, mais je sais pas, moi j'aime mieux... J'aime mieux les gaufres rondes. J'ai acheté une baguette de pain. Puis ça s'appelle l'européenne. J'ai l'impression qu'il y a tellement beaucoup de bruit chez nous. Mes cheveux sont n'importe quoi là. J'ai juste mis des bobines de ces côtés. Aïe 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 aïe. Là, ce matin, j'ai travaillé sur le montage d'une vidéo collaboration pour un festival Oshiaga. Donc, c'est des trucs. Concours, là, je sais, ces temps-ci de comme prendre des collaborations avec les marques qui vous apportent des trucs parce que c'est l'été, puis je pense que c'est cool d'essayer de comme gagner des trucs. Demain, je m'en vais voir Mary Poppins, puis j'ai vraiment hâte d'y aller avec ben, les gagnantes. Ça va être cool, j'ai hâte de vous rencontrer, puis je vais filmer ça, fait que vous allez pouvoir voir. Même si vous n'avez pas gagné, je vais vous apporter avec moi pendant cette soirée-là. Je pense que des concours, c'est toujours le fun. À moins qu'il y ait des gens parmi vous qui trouvez que les concours, c'est de la merde. Mais personnellement, je pense que des concours, c'est le fun. Surtout quand comme t'as pas besoin d'acheter pour participer ou peu importe. Là, je suis sûre... j'ai comme trouvé une page Facebook, ça s'appelle So Vegan. Puis là, j'ai comme des petites pizzas baguettes que je veux faire dans le four. Mon dieu, je suis en train de mourir. Je suis en train de faire du lavage. Mon air climatisé roule. Il y a plein de bruit ambiant. Billy, elle s'amuse dans mes affaires. Dans mon linge sale. Ça commence à l'air bon. Ça, j'ai fait une petite boulette de pain en à côté. Mais ouais, je vais mettre la recette en barre d'infos si ça vous tente. Waouh! Je trouvais ça cool. Pour l'été, c'est le fun. Genre, tu peux manger ça n'importe où, pas mal. Fait que. Yeah! Avec ma mère, on va aller au jardin chercher de la laitue parce qu'elle est vraiment due. Puis comme moi, j'en ai trop chez nous. Fait que j'ai demandé à ma mère si elle en voulait. Puis elle en veut. Fait que je vais lui donner de la laitue. J'ai fait un tour de trottinette. J'ai appelé Cyril. Puis là, il fait tellement chaud que je me suis dit que j'allais revenir peut-être à mon jardin plus ce soir parce que enlever les mauvaises herbes quand il fait super humide, c'est vraiment désagréable. J'espère tellement que vous m'entendez bien puis qu'il n'y a pas trop de vent. Bref, c'est ça qui se passe. Oh yeah, ça c'est la belle vie. Faut que j'échappe mon téléphone dans l'eau. Elle est tellement chaude! On est tellement bien là. Pour vrai là, j'adore tellement les piscines chauffées. Bon, pis là, je suis en train de parler à Cyril encore au téléphone. Que je vais le rappeler. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis en train de parler avec Cyril au téléphone. Dis bonjour aux amis! Bonjour les amis! Hey, le délai là, c'est fou. C'est gossant! J'ai hâte que tu sois à côté de moi! Ah! Oui, moi aussi! Et à 8h, je suis floue! À 8h, il y a une émission à Télé-Québec, c'est sur les chats, la double vie des chats. Puis, ça a l'air juste trop intéressant, fait que je vais écouter ça! Non! Non. Mais non. Non. Nous aimons nos chats. Mais les connaissons-nous vraiment? Leur vie à l'extérieur reste un mystère. C'est genre trop excitant ce genre de choses-là. Une heure de documentaire sur les chats, sur la vie cachée des chats. Mon dieu, moi j'ai trop hâte de regarder ça. J'ai fini de regarder le documentaire sur les chats, c'était tellement intéressant pour vrai. Là aujourd'hui c'est une petite journée relaxe pour vrai, là c'est comme un peu ma fin de semaine aujourd'hui.
J'ai fait du montage, c'est tout. Demain, je vais bruncher avec une de mes amies, Marie-Pierre. On s'en va au Allo Bon Coco. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des trucs végé. Habituellement, je mange pas d'œufs, mais là, peut-être que demain, je vais faire une exception parce que ça s'appelle Allo Mon Coco. Fait qu'il y a pas mal d'œufs là-bas. Bref. Sinon, en soirée, c'est le show de Mary Poppins. Donc, les gagnantes ont été sélectionnées. Et on a eu comme un petit problème technique parce que j'avais dit les gagnantes, c'est pas moi qui tirais. Là, donc, c'était géré par Juste pour rire et. Et tout ça, c'était pas moi qui choisissais les gagnantes. Puis il y a eu un petit bug parce que moi j'avais dit que les gagnantes allaient être tirées et que c'était super important de regarder dans votre boîte de réception sur Facebook, donc dans vos messages, dans vos spams, pour être sûr et certain que vous voyez quand est-ce qu'on va vous communiquer. Puis ben il y a deux personnes qui ont pas répondu assez rapidement. Donc il a fallu qu'on choisisse deux autres personnes. Et quand ils ont vu le message qu'ils gagnaient, ben là, ils étaient super déçus parce que finalement, ben on avait choisi deux autres personnes. Donc, c'était un petit peu mal organisé. Je suis très consciente de tout ça. Puis, je tenais à m'excuser à vous deux. Donc, je leur ai parlé là, en privé pour m'excuser puis arranger ça. Je tenais à m'excuser quand même devant tout le monde. Et ben pour les gagnantes, ben c'est cool, c'est trois filles que je vais aller voir demain. Fait que j'ai hâte de passer la soirée avec vous. Vous allez voir le show de Mary Poppins, super bon. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça avec mes abonnés. Ça va être une belle soirée. Fait que j'ai pas mal chaud. Moi, je vais aller me coucher tout de suite pour être en forme demain parce que je me lève quand même tôt. Puis c'est ça. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se voit demain. Bye!